avec Philippe Guichard. Défaite ici à Narbonne avec une seconde mi-temps où visiblement il y a eu un fait de jeu qui vous a fait sortir de la rencontre. Non, c'est pas la seconde mi-temps. En première mi-temps, on a trois fois l'occasion de breaker, de les mettre un peu en difficulté au niveau du score. On maîtrise bien la moitié de la deuxième mi-temps. Et à partir de là, voilà, on prend un essai à 10 points avec un carton jaune. Malgré ça, voilà, on est encore à 3 points. Sur un fait de jeu derrière, voilà, un petit en avant, contestation, on prend 3 points de plus. Donc à 13 points contre une équipe comme Narbonne, dans un derby, ça passe pas. Puis après, au score, enfin, le derrière, ça comprend, il est anecdotique, mais bon, on vient mourir à 6 points. Malgré ça, on a encore une occasion d'aller chercher la victoire sur une plus ou moins une pénale touche qu'on loupe. Donc voilà, manque de maîtrise à partir de la moitié de la deuxième mi-temps. Donc voilà, ça peut. Enfin, c'est grave de perdre des matchs comme ça parce qu'on n'a pas l'occasion d'amener de la victoire comme ça à l'extérieur. Donc aujourd'hui, on loupe beaucoup. On est vraiment déçus parce qu'on avait tous mis les ingrédients pour gagner. Les joueurs, voilà, on fait 60 minutes pleines et il suffit d'un grain de sel pour qu'ils sortent du match tout seul et qu'ils se mettent dans la difficulté. Donc c'est rageant et emmerdant, quoi. Merci Philippe. Ouais.